Bienvenue! Aujourd'hui, nouveau concept d'extrême pigeonnage. On va claquer un maximum d'argent. Vraiment, je pense que ça va être la vidéo la plus chère. Enfin, plutôt le en direct. Parce que vous l'avez vu, à chaque défaite, je dois acheter un skin. Mais déjà, regardez mes pièces d'or. 43 000 pièces. Je pense que là, déjà, il y en a quelques-uns d'entre vous. Vous avez compris quelque chose. Et on a 800 gemmes. Mais 800 gemmes pour faire ce concept, les gars, je pense pas que c'est suffisant, à moins que je suis devenu un pro player et que je ne perde jamais. Donc vous savez quoi, pour être sûr qu'on ne va pas manquer de gemmes, on va directement dans notre petite boutique et on va acheter la petite offre à 2000 gemmes. J'espère juste que la carte bancaire va passer. Attention! Oui monsieur, le paiement a bien été effectué et on monte à 3000 gemmes. Aïe. On va pas commencer avec un skin autant stylé. On va prendre, vous savez quoi, on va pas partir en mode classé. Ça, je le farm un petit peu de mon côté. Déjà, on va tester un petit peu tous les modes de jeu. Vous savez, il y en a des, je suis un petit peu nul. Il y en a des, je suis plus fort. Mais on commence tranquillement, survivant solo. Voilà, on part en survivant solo. Et qu'est-ce qu'on prend comme brawler au début? Je sais pas, on va prendre un brawler avec quand même quelques trophées pour pas que ça soit trop simple non plus. On va prendre, vous savez quoi, le petit Léon. Ah non, mais attendez, il y a un skin en or massif dessus. On prend le Spike, voilà, on prend le Spike, le classique. Merci Flexant pour les 2€, le retour du pigeon. Mais là, je crois que vous vous rendez pas compte, mais c'est le comeback du pigeon, mais de l'extrême. Parce que aujourd'hui, ça va être vraiment cher. Mais vraiment, on va claquer beaucoup d'argent. Et déjà, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, bienvenue à tous ceux qui regardent la rediffusion. N'oubliez pas de mettre maintenant le gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne, comme ça j'ai pas besoin de le répéter. Ah, déjà, il y a Mortis qui nous fonce dessus. Bon. Ah, quoi? Non! Mais non! Mais on a déjà perdu! Oh, ça commence mal. Vous vous amusez? Non! Je dois déjà acheter des skis! Mais non! Je pensais vraiment pas que ça allait aller autant vite. Parce que oui, une défaite, c'est quand je perds des trophées. Après, parfois, je rajoute un petit peu des règles. Déjà, je vois qu'on a des nouveaux petits skins dans la boutique. Donc, ceux-là, on va très, très vite les acheter. Et oh! Oh là là! Mais on va commencer doucement, voilà. On va commencer avec le petit ricochet du Get. Je sais pas comment ça se prononce. 150 gemmes. Petite réduction à 40 gemmes. Ça fait très, très plaisir. Et c'est le premier skin acheté. Oui, monsieur! Donc, le petit ricochet, bien sûr, à chaque fois qu'on achète un skin, je dois équiper le brawler avec le nouveau skin. Ça me paraît plus ou moins logique. Mais déjà, faites vos prédictions maintenant. À votre avis, combien de gemmes je vais dépenser aujourd'hui? Voilà, dites-le dans le chat, dans les commentaires. Par contre, ricochet, j'ai aucun skin dessus. À part celui-là que je viens d'acheter. Après, vous m'étonnez. Bon, il est à zéro trophée. Il est à zéro trophée, vous savez quoi? On va le tenter une fois. Merci beaucoup, Flexant, pour les 2€. C'est encore plus pigeon. Eh ouais, non, mais aujourd'hui, c'est... Là, c'est vraiment extrême. Préparez-vous pour... Je sais pas combien de temps va durer le concept, je pense jusqu'à ce que je n'ai plus de gemmes. Donc, pour claquer 3000 gemmes, j'espère que ça va pas être trop rapide non plus. Mais déjà, la map survivant solo, elle est quand même très très avantagée pour les brawlers corps à corps. Et moi je joue quoi? Je joue ricochet dessus. Après, honnêtement là, on est à zéro trophée, j'espère que nos ennemis sont... Oh là là, mais attendez, je prends cher là! Je me suis dit, mais je vais les éclater, zéro trophée, ça va être des gros noobs. Et là, je suis déjà en train de perdre quasiment... Ah, le primo! J'ai tout balancé dans la tronche. Non, ils sont clairement très très nuls pour l'instant, mais... Oh! Le ballon... Mais non! Mais c'est une dinguerie! Oh oui! J'ai pas perdu de trophée, mais là... C'est n'importe quoi, ricochet! Après, j'avoue que ricochet... Peut-être dans ce mode de jeu, il n'est pas incroyable. On va plutôt partir en hors-jeu et on va inviter des abonnés. Voilà, je vous laisse rejoindre le code XR5S2CBS. Pourquoi j'invite des abonnés? Parce que, regardez, j'ai que 4 trophées avec mon ricochet. Du coup, nos adversaires sont quand même assez mauvais. Mais en invitant des abonnés, on va tomber contre des adversaires au nombre de trophées avec ceux qui jouent avec nous. En gros, là, le mec, il joue avec 700 trophées. Nos adversaires, ils vont avoir 700 trophées. Bon, il nous reste une place hein, pour celui-là, s'il y en a un qui veut rejoindre. Il nous reste une petite place. Bon, en fait, ça va, là, il a mis un brawler à 40 trophées. N'hésite pas à mettre un brawler un petit peu plus fort, comme ça. Ah, 800 trophées. En vrai, ça va très bien. Edgar, tu peux mettre prêt. Ah,
J'ai dit ça va très bien, j'espérais qu'il change de brawler, mais non, il a gardé le Edgar à 800 trophées. Donc là, dites-vous, même si nous deux, on est à 40 trophées, Brawl Stars, ils s'en fichent. Là, c'est nous des adversaires qui ont 800 trophées. On va se faire pulvériser. Surtout que je suis seulement pouvoir 4 avec mon ricochet. Mais je vous avoue, c'est loin d'être mon brawler favori, donc j'ai vraiment pas envie de le mettre pouvoir max. Quoi ? Y'a Edgar, il est mort ! Mais non, c'était le brawler le plus fort qu'on avait. Bon, je vous annonce, c'est la mouise. Ah, ça sent... Oh, la méga bombe. J'ai esquivé de justesse. Ah ! Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud, Mais non, mais je voulais pas commencer direct en claquant autant de thunes, mais là, on a perdu. Y'a aucun monde, on arrive à faire top 1. Mais... Non, mais j'ai même pas pu utiliser l'ulti. Mais regardez comme ils nous mangent, là. Oh, oh, qu'ils ont tué Bulle. Bulle ou Boule, je sais pas. Oh, attendez, Angelo. Oui. Oh là là. Allez les abonnés. Edgar. Non. Oh, je suis trop investi, mais en même temps. Eh, les gars, je peux perdre beaucoup d'argent aujourd'hui, hein. Ok, te prends pas la méga bombe. Allez, Angelo. Tu le fumes, ce Dynamike. Tu l'éclates sa tronche. Angelo, j'ai trop envie de le jouer, mais malheureusement, il n'y a pas de skin dessus. Donc, on va pas le faire aujourd'hui. Mais Angelo, clairement mon brawler favori. Je peux vous dire qu'en classé, j'ai farmé un petit peu de mon côté pour monter en classé, pour essayer de passer mythique. Angelo, c'est vraiment le brawler que je joue tout long. Et bon, par contre, je crois qu'il a pas compris comment ça fonctionne son... son pouvoir. Tu peux envoyer des flèches empoisonnées, régénérer tes points de vie, c'est pas... Non, il allait le toucher. Ah. Bon, on a perdu 0 trophée parce qu'on en a seulement 4, mais c'est clairement une défaite, hein. Yo, El Pigeon. Hello, les gars. Bon, merci l'équipe, mais malheureusement, on a perdu avec vous, hein. Non, bien joué quand même. On va rapidement ouvrir nos petits prix stars, parce que oui, voilà, le Brawl Pass a été acheté en entier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je me suis fait kiffer. Ça nous a fait, du coup, pas mal de pièces d'or aussi, parce que je vous le dis, aujourd'hui, il y a un skin en or massif qui va être acheté, très probablement. À moins que là, je fasse plus que des victoires. Mais bon, vu comme c'est parti, je suis pas sûr, je doute un petit peu. Ça, c'est quoi ? Sur Génine, 150 gemmes, nouveau skin. C'est pour quel brawler ça? Les gars, je reconnais même pas c'est quel brawler. Bon bah allez, 150 gemmes qui partent. Eh oui monsieur. Mais c'est quel brawler les gars? Je reconnais même pas, c'est Surge. Mais non, c'est pas Surge ça. C'est lui. Oh la dinguerie. Mais les gars, y'a plus aucune ressemblance. Franchement, bon déjà Surge, c'était mon brawler préféré au début, j'ai acheté le Kraken, le King Kong, et là maintenant on a le Surgenin, un nouveau skin, donc ça, ça fait plaisir, qui est, ma foi, très sympathique. Après, on a déjà 700 trophées avec ce brawler, et moi je vous jure, je pensais que c'était le petit Stu là. Oh non mais c'est un beau skin d'assure. Bon, le Surge, on part en hors-jeu, allez, c'est parti. On le survivant solo, on a vu la map, frérot, si t'es pas un brawler corps à corps, moi j'ai pas envie d'aller m'aventurer là-bas. Petit rang diamant mode classé, j'ai 3 d'être mythique. Oh, je vais pouvoir tellement flex. Je vous ferai un live très prochainement, donc pour pas les rater, pouce bleu, abonnement à la chaîne et surtout activer la cloche des notifs. Et sûr, ça fait longtemps que j'ai plus joué avec. Mais non. Mais c'est quoi cette équipe? Viens là Mortis. Viens là Mortis. Je vais te régler ton compte là. Ok, bon, il a pas l'air de vouloir se fight. Mais non, il y a déjà tout le monde qui est mort de mon équipe. Mais c'est pas possible. C'est quoi mon gadget? Je sais même pas ce qu'il fait mon gadget. Bon, c'est pas grave. Ok. Dès qu'il y a Mortis qui arrive. Oh, le saute dessus! Oh, il m'a esquivé. Il m'a bien esquivé, mais attendez. Oh, mais c'est trop dur en 3 contre 1. Les gars, on peut pas perdre. Là, j'ai un beau skin. J'ai pas envie de déjà devoir recommencer à acheter quelque chose. Ok, on le fume. On le fume. Allez, le poison, il meurt. Oui, let's go. Bien joué, Korbak. Bien joué. Le poison, là, ça suffit, mais pile poil. Normalement, en 3 contre 2, les gars. Là, on fait pas de conneries, on gagne. Je vous le dis, on fait pas de conneries, on gagne. Ok, lui, je l'ai vu arriver à des kilomètres, le petit baril. Ok, on lui saute dessus. Boum. Magnifique. 2 contre 1 contre Daryl. On le fume, Korbak. On lui éclate sa tronche. Ok, il est dans le coin, en plus. Juste, il va pas trop bourrin. Ok, il va un peu bourrin le Korbak quand même, mais ça suffit, donc c'est nickel. Merci beaucoup, Black Xeno, pour les 1€. Les gars, je sais pas ce que vous avez dans ces derniers lives, mais tout le monde envoie de l'argent. Et on a Baroxy en plus, en plus ici. Ils vont partir vite, mais sans balle d'hier. Je t'avais prévenu, hein.
Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est Varox qui m'a fait des dons dans le live hier et je lui ai dit, frérot, tu sais que tes dons là, ils vont partir sur des skins. Non mais voilà, je vous préviens les gars, ceux qui me font des dons sur les lives, votre argent va partir dans des skins. Oh là là, n'importe quoi. Non mais bien sûr les gars, gardez votre argent pour vous acheter vos propres skins. Oh, j'ai pris cher. Ok, là si on gagne les gars, oui, on va gagner. Oh mais en 2 contre 1 contre Mortis, on va lui éclater sa tronche. Oui, ça va être la première vraie victoire aujourd'hui. Je sais que t'es là mon petit Mortis. Bim, on l'a explosé. Même pas eu besoin d'utiliser l'ulti. Bon, hein, je suis pas joueur star, c'est... c'est bizarre. Mais merci beaucoup frérot pour les 1€. Bon, allez, petite victoire, ça fait plaisir. Surtout que là, on joue pas à 10-20 trophées. Non, non, on est à 700 trophées. C'est pas dégueu. Est-ce qu'on part en mode solo? Non, c'est sympa hors jeu. Et le skin? Le skin, faudrait qu'on le regarde quand même un petit peu. Le skin est très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. 150 gemmes, on l'a acheté. Ce qui est équivalent à 10€ si je me trompe pas. 10€ À chaque fois, j'oublie. Si je dis pas de conneries, hein. Le skin est très sympathique. Je vous avoue que pour moi, ça ressemble plus du tout à Surge. Mais, allez, on lui donne quoi? 8/10? 8/10, c'est pas mal, je trouve. Allez, on enchaîne les victoires, là. Par contre, là, Elisa. Oh là là, ce brawler, il est relou à affronter. C'est quoi, mon gadget? Je crois que je vais plus vite. J'ai pris cher. Salut Kefko, hello les gars, bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant. Je vous le dis, aujourd'hui c'est vraiment concept de l'extrême, hein. Ça va claquer de la thune pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai acheté un total de 3000 gemmes. Ah, il y a Edgar. Ah, j'ai essayé de mettre le gadget pour aller plus vite, mais ça n'a pas suffi. Et aussi on a beaucoup d'or. On a beaucoup d'or, donc il y a moyen que j'achète mon deuxième skin en or massif. Je suis assez content, mais je sais pas sur quel brawler l'acheter et... Ah, Edgar, oh, c'est un malade. Ok, ulti. Oh, magnifique. Bon, malheureusement l'ulti je l'ai pas très bien calé. Mais au moins je suis pas mort. On a tué, ok, let's go. Oh là là, à chaque fois on perd la première manche. Et après on fait une remontada de fou, hein. À moins que le petit bro qui nous éclate les deux la tronche. Mais en vrai Angelo déjà il devrait le fumer. Et moi vous savez quoi, je vais l'attendre juste ici. Viens Brock, viens. Fais le tour. Fais le tour, allez. Oh là là, il est en train de se faire fumer Angelo. Vous savez quoi, on va le rush comme ça, ça va aller plus vite. Il est où? Oh, Angelo lui a mis une grosse flèche dans son crâne. Le gadget te fait évoluer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce délire de niveau avec Surge. Merci beaucoup des infos. C'est ça que je trouve cool aussi quand je fais un live Brawl Star. Bah vous pouvez grave me donner des conseils en direct quand je dis un peu n'importe quoi. Ok, j'ai cru que j'allais tuer Edgar. Au final, c'est Angelo qui a pris le kill. D'accord, non mais vole-moi mes kills, il n'y a aucun souci. Aïe. On va mettre le petit gadget juste après. Ok, je crois qu'on va gagner. C'est vraiment n'importe quoi les gars, à chaque fois on perd la première manche et après c'est la victoire. Achète un skin sur Groom. Ok, on va regarder ça. Bon, Goldie, un petit peu trop facile là. On fait que des victoires. Donc on va partir sur le mode de jeu survivant solo. Oh. Oh. Ok. Tout le play brawl ça. Déjà, un nouveau brawler légendaire, ça serait une masterclass ou un beau skin. Ok, vous êtes prêts? Le clic. Le clic. Hop. Ah non. Pouvoir star. Bon, c'est pas mal. Mais en plus, j'aime pas Brawler H. Voilà, je vous le dis, je l'aime pas. Voilà. C'est annoncé. Oh, dommage. Bon, allez, on part en survivant solo avec Surge. On va se faire éclater la tronche. Et vous savez quoi? Carrément, je suis obligé de faire top 1. Sinon, on compte ça comme une défaite. Donc là, si je suis pas dans la mouise, je sais pas dans quoi je suis. Mais c'est moi ou le spawn qu'on a, il est 10 fois meilleur que ce qu'on avait chopé au début. Regardez là, on est tranquillement sur le côté. On a 2 power cubes rien que pour nous. Alors qu'avant on était au milieu de la map dès le début, hein. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave, c'est bien du coup. Juste avant on s'est fait arnaquer. Tu penses quoi de Karl? Je t'avoue c'est pas un brawler que je joue beaucoup. On verra si on va acheter un skin après. Ah mais non, je lisais le chat. Mais c'est une dinguerie, Shelly. Je savais pas qu'il pouvait déjà être là, moi. Ouais, je vous jure, par contre, il m'a vraiment fait peur. Bon, on s'est fait dégommer. On va devoir acheter des petits skins. J'ai l'impression que dans la boutique, on a fait plus ou moins le tour. On en a 2-3 ici, au cas où on va acheter le petit Korbach Mecha. Il y a des chances qu'on l'achète par après. Pour l'instant, c'est pas prévu. Ok, qu'est-ce qu'on m'a dit avant? On m'a dit des skins sur Karl. Dites-moi là des brawlers où il y a des beaux skins. Faut savoir que j'en ai déjà une bonne partie. Mais attendez, Karl, il est où?
Il est où notre petit Karl? Je le cherche. Je commence à avoir quelques brûleurs quand même. Donc c'est un peu plus long. Ok, on a déjà Karl dans la motocross. Oh, Karl Sultan. Sympathique. On a le petit gobelin. Ou le chevaucheur de cochon. Il est marrant, lui. En vrai, lui, il est marrant. Allez, je crois qu'on va acheter le petit chevaucheur de cochon avec les beans. C'est parti. Pour ceux qui kiffent Clash of Clans, Clash Royale. Voilà, le chevaucheur de cochon. Franchement, moi, ça me fait marrer. Karl, c'est quoi? Est-ce que c'est un brawler corps à corps ou pas du tout? Je vous avoue que je me souviens même plus qu'est-ce qu'il fait. Bon, on va partir en survivant solo, mais... Je suis pas sûr du succès, hein. Ok, pas du tout. Non, c'est pas un brawler corps à corps? Ah, j'avais oublié, je crois que j'ai confondu avec un autre. Non. C'est le brawler le moins corps à corps qui existe, je crois. Oh là là, mais cette map, elle est horrible, hein. Ah ouais, c'est avec le boomerang. Bon, par contre, c'est assez sympathique, je trouve. L'effet de boomerang, comme ça, si vous collez un mur, vous pouvez vraiment enchaîner les boomerangs, c'est pas mal. Fais du classé. Alors, le classé, je le fais dans mes autres lives quand on tryhard. Mais là, étant donné que c'est à chaque défaite j'achète un skin, le mode classé, vu que je suis passé diamant, bah, ça dure quand même pas mal long, les games. Et donc, je pense que ça serait pas très intéressant. Ou alors, je dépenserais 200 gemmes en tout. Ok, on envoie notre petit boomerang. Brawler sympathique, c'est pas mon préféré. Le skin, vous en pensez quoi? Bon, en vrai, je suis un petit peu dégoûté. Le chevaucheur de cochon, on dirait plus un bout de carton. J'aurais bien aimé vraiment avoir un vrai chevaucheur de cochon. Mais le skin reste plutôt marrant. Ok, on envoie un boomerang et c'est gagné. Ah, attendez, je m'enfuis. Bon, l'ulti, c'est une dinguerie. L'ulti est incroyable. Ok, viens là, toi. Hop, on lui met des petits dégâts. Et moi, je suis pas forcément fan des brawlers qui ont qu'une seule munition. Ah, j'étais sûr que ça allait pas suffire. Je l'ai sorti, mais normalement, on a quand même remporté des trophées. Donc, c'est pas une défaite. On le monte un petit peu. Et on va partir en hors-jeu. Comme ça, c'est vraiment soit c'est une défaite, soit c'est une victoire. Oh, Rui Silva qui envoie 5 euros. Mais les gars, oh. C'est quoi cette folie? C'est toi, tout le monde qui envoie des dons. Il manque plus que Varrox, ils reviennent aussi, quoi. Non, franchement, merci beaucoup pour les 5 euros, Rui Silva. C'est trop sympa de votre part. Allez, on se ressaisit. Le Billy, maintenant, on est quand même un petit peu dans notre domaine. Déjà, là, voilà, notre brawler, c'est clairement plus du longue distance. Mais j'avais oublié, on est à très très peu de trophées, donc nos ennemis sont quand même plus ou moins nuls. Je pense qu'on va inviter des abonnés juste après. Hein. Comme ça, ça va être un petit peu plus dur, quoi. Parce que là, avec mon cheveu... Mais wesh. Hey, Rui Silva, il s'est chauffé, il a envoyé 10 euros, mais t'es un malade. Oh là là, j'ai que des abonnés riches sur mes lives, vous. Il se passe quoi ces temps? Oh là là, je vais pouvoir m'acheter plein de skins. Non, merci beaucoup, mec. T'es un crack. Je viens de m'abonner à toi, bah merci beaucoup aussi à tous les nouveaux abonnés. Franchement, je vous le dis, je suis vraiment trop content ces temps parce que vous kiffez mes lives Brawl Stars et mes vidéos aussi, hein. Franchement, il y a tout qui marche super bien ces temps. On est nombreux, on est vraiment une bonne communauté de gros pigeons. C'est trop bien. Et les lives Brawl Stars, c'est un kiff. Donc, ah, 900 trophées là. La poli. Bah, vas-y, en vrai, tu peux le garder si tu veux. Mais non, il a mis un 0. Mais non, t'inquiète. Mais attends, vas-y, je vais lui suggérer sa poli. Je vais lui suggérer, allez, frérot. Mais celle-là, si t'as envie. Ah, regardez son skin. Oh là là, merci beaucoup pour les 5 euros, Sylvain. Varrox, il a dit qu'il revenait avec 15 euros. Mais non, il allait chercher de l'argent encore. Lui, il est... C'est un fou, lui. C'est un fou. Alors, je sais pas ce qui se passe avec les dons. J'ai l'impression que c'est la guerre des dons, ces temps. Sans problème, les gars. Bon, allez. Par contre, là, je vous annonce, on est à 900 trophées, nos adversaires. Je pense qu'on va se faire pulvériser. Je kiffe tes vidéos, Kefko. Bah, ça fait trop, trop plaisir, ce genre de message. Oh, la poli à 900 trophées a déjà fait un kill. Mais c'est un pro player. Vous voyez, ce que j'ai pas pensé, c'est que moi, mon petit Karl, là, il est pouvoir 4, si je me trompe pas. Comment vous dire que tous nos adversaires sont pouvoir 11, hein. Oh là là. Ok, le petit tic, on peut peut-être se le faire. Essayer de lui envoyer un petit boomerang. Ok, allez, la poli, on éclate. On l'a pris en... Oh oui. Vous avez vu ce que j'allais me prendre, là? J'allais me prendre l'ulti de Tic. Ça allait faire très très mal, hein. Ah, j'allais prendre cher.
Le poli a combien de trophées en tout? Alors en tout, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai vu qu'elle avait 900 trophées sur ce brawler. Après, il me semble que c'était un de ses meilleurs brawlers. Ah, je me suis fait fumer par la poli d'en face. Mais non. Oh. Allez, on compte sur l'autre poli là. Tu vas les éclater, je crois en toi. En plus, petit skin. C'est pas le skin carnaval sur poli, je sais plus lequel c'est lunaire, il me semble. Très très joli. Très très joli. Oulala. Et ouais, merci encore pour les 10 euros à Rui Silva, c'est trop gentil. Je vous annonce là. En vrai, on a une victoire. Donc, s'il gagne déjà, c'est on a gagné. Mais là, je pense que ça va être chaud en 3 contre 2. Hein. Bon, après, dans tous les cas, ils sont à peu près en 3 contre 2, vu que c'est moi là, le troisième. Le troisième coéquipier avec mon Karl pouvoir 4. Je fais pas grand chose. Oh, la poli là. Ah, dommage. Ouais, c'était chaud. Hein. Le dynamite la lâchait pas. Et la tic en 3. 3 contre 1. Ah, dommage. Dommage, dommage. Mais bien joué. Allez, on se ressaisit. Cette fois, je vais essayer de pas mourir au début. Eh, mais attendez, en fait, c'est les mêmes brawlers en face. Il y a une poli. Il y a un tic. Et bon, dynamite. Et moi, du coup, j'ai mon chevaucheur de cochon. Oh là là, le skin en vrai. Le skin est sympathique, mais allez, je lui donne un 6 sur 10. Il est marrant, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un vrai chevaucheur de cochon, c'est une boîte de carton. Eh, Wolfstar, j'ai vu comme vous avez essayé de nous arnaquer. Hein. C'est pas un chevaucheur de cochon. Allez, c'est qu'on utilise l'ulti. Poli ! Ah ! J'avais pas pensé à ce qu'elle avait l'ulti. En vrai, ils sont tous low, c'est maintenant qu'ils peuvent tenter de faire des kills, le tic. Oh oui, ils vont gagner en 2 contre 1. Allez, fumez-le ! Fumez-le, oui ! Let's go ! Encore une victoire. Oh là là, on est bien. On est bien, les gars. Incroyable. Bon, bah encore une victoire avec Karl. Vous savez quoi ? On va partir, hop, en survivant solo avec notre petit Karl. Si je ne fais pas top 1, c'est la défaite. Voilà. Si tu veux, je te fais un don de 100 euros, mais... Ah oui, c'est des fous, mais non. 100 euros, frérot, ils sont millionnaires ici ou quoi? Ok, on va fermer les boîtes là, je vous le dis. Top 1 ou rien. Déjà, j'ai vu, il y en a un là, le Sam. Il me semble qu'il s'appelle Sam. Il veut m'éclater la tronche dès le début, avec le petit skin de clown. Très sympa. En vrai, je me dis, sur cette map, ça serait trop fort d'avoir Beau. Parce que lui, il peut voir quasiment à travers tous les buissons. Je me dis que ça peut être super fort, ça. Ah, ok, il veut la guerre? Il va l'avoir. Viens là, mon gars. Oh, l'ulti par contre est trop satisfaisant, vraiment. Ok, le tic. Le tic, on le fume. Oui, monsieur. Ok, viens là. Toi, t'as essayé de m'éclater la tronche avant? Toi, t'as essayé de m'éclater la tronche? Ulti. Oh là là, le chevaucheur de cochon. Mais il est trop fort. Prends Léon Mecha. Ça existe pas, ça, non? Il existe, Léon, version Mecha? Mais vous me trollez, là. Moi, j'ai 8 power cubes. Comment vous dire? Je pense que c'est la victoire. Oh oh, peut-être parler un petit peu trop vite. Non, ça va. Il est très très nul, le petit El Costo en face. Oh, quand même 9 power cubes, mais bon, il va rien faire, voilà. C'est la victoire! Magnifique, Léon Mecha va sortir. Oh là là. Oh, c'est une dinguerie alors. C'est une dinguerie. Bon, comment... Je perds quand là? Oh, il est trop fort, le chevaucheur de cochon. On va inviter un abonné pour faire du survivant duo. Prends vraiment un max de trophées et on doit faire top 1, sinon c'est une défaite. Non mais voilà, à chaque fois on augmente un peu le niveau, sinon ça peut être trop simple, surtout quand on est bas trophée. Je laisse un abonné rejoindre, le code est juste ici. Mets un brawler avec beaucoup de trophées, comme ça voilà. Un petit peu de challenge quoi, voilà. El Costo à 800 trophées. Aïe aïe aïe. Salut le roi des pigeons, hello hello. Ouais, aujourd'hui ça va claquer de la thune, hein. Regardez en haut à droite. 2700 gemmes, il nous reste 42 000 pièces. Oh là là. Oh là là. Pardon? Oula. C'est bon, il a pris Shelly avec quasiment 900 trophées là. Ah. Mais non. Pourquoi on n'a pas de boîte? Ouah, tout. Les gars, ça, tout ce qu'il y avait en violet, ça veut dire ils sont en mode classé. Ils sont rang mythique. Mais c'est ultra fort mythique déjà. On va se faire pulvériser. On va se faire pulvériser la tronche. C'est moi qui vous le dis. En plus, je suis obligé de faire top 1. On va ramasser les petites boîtes, mais là, je sais pas contre quel pro player on est arrivé, hein. Je récupère, moi, les petites boîtes avant d'aller rusher les gens, hein, hop. Parce que là, on doit faire top 1, hein. Sinon, je vais acheter un skin. On aurait quand même tenu plutôt longtemps avec notre chevaucheur de cochon, hein. Pas ce que vous en pensez. En plus, j'ai même pas de gadget avec ce brawler. C'est ça, le gros problème.
Allez, on avance et il va super vite. Oh, il y a un ennemi là. Je lui ai fait attention quand même, hein. J'ai essayé de voler le kill. Elle a failli mourir, mais bien joué. Un kill aimé. Si on fait top 1 à 900 trophées alors qu'il n'y a que des gens avec le rang mythique, c'est masterclass, hein. Bon, moi, ça me va, hein. J'ai pas dépensé de gemmes. Vraiment, on est en train de faire tellement de top 1. Là, on a 6 power cubes. Ça s'annonce plutôt bien pour nous, hein. Je crois qu'ils sont mieux, hein. Ils sont mieux. Faudrait peut-être pas... Ah. Il y avait un piège ici. Il était caché. Oh non, les jumeaux. Non, je suis mort. Allez, Chili. Allez, Chili, c'est ton moment. Allez. C'est à toi. C'est à toi, ma petite Chili. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ils ont les deux 6 power cubes. C'est bon, je vais réapparaître. Mais du coup, moi, j'ai plus les 6 power cubes. Et j'ai toujours le même brawler un petit peu éclaté. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de Karl. C'est pas... Il est pas nul. Mais c'est clairement pas... Ah. Oh, ce qu'il m'a mis, c'est clairement pas le meilleur brawler. Hein, on soit honnête. Je pense que là, ça va être chaud de gagner. Je sais pas ce que vous en pensez. Coéquipier aléatoire. C'est pas... Ah oui, j'aurais pu faire ça, mais du coup, je serais tombé contre des gens avec très peu de trophées. Je vais réapparaître, je vais encore mourir en 2 secondes. En même temps, moi, j'ai aucun power cube. Les autres, ils en ont 6. Tu m'étonnes, ils me font beaucoup de dégâts. J'ai mon ulti, par contre. J'ai mon ulti, mais je peux rien faire. Oh, je me suis fait fumer. Directement. Et la Shelly, elle doit être désespérée. Je suis déjà mort 3 fois. Shelly, compte pas sur moi pour faire top 1. Là, je crois que tu dois le faire tout seul. Mais c'est clairement impossible quasiment. Quoi? Oh. Oh. Oh, je l'ai fumé. Attendez, on récupère. Oh non, il y en a encore un avec 11 power cubes. Et je pensais vraiment qu'on allait gagner là. Je savais pas qu'il y en avait un qui était caché. Bon, on a fait top 3. J'ai gagné trophée. Mais on compte ça comme une défaite. Donc quel brawler j'achète un skin là? Donc quel brawler? Là je pense qu'on va acheter un... Non, je pense qu'on va acheter un beau skin là. Oh, arrêtez, je veux pas acheter. Là je pense qu'on va acheter un très beau skin. Ok, parce qu'on a duré quand même assez long. Je pense qu'il faut partir sur du sérieux. Peut-être, je sais que j'ai des nouveaux brawlers légendaires avec lesquels j'ai pas beaucoup joué. Comme par exemple le Cordelius. Ah mais on a déjà acheté un skin dessus. On aurait le Cordelius vénéneux, d'accord, il est pas ouf. On a toujours nos pièces d'or. Ambre, on a aussi un beau skin dessus. Le petit Korbac. Oh là là. Oh, il est stylé quand même, le Korbac mecha. Korbac mecha ou pas, les gars? Groom. Ok, il y a tout le monde qui écrit Groom. Groom, on va voir ce qu'il a. Si j'ai pas un beau skin dessus, on achète directement pour Groom. Korbac mecha, j'étais à ça, les gars, d'acheter, hein. Groom, ok. Oh, j'ai pas de skin. Oh, Groom va Ravana. Ah ouais. Ou alors le petit lapin de Pâques. Bon, je pense que le choix est très vite fait. Ok, magnifique, on n'avait pas de skin sur ce brawler. 200 gemmes qui sont claquées. Groom Ravana. Oh, c'est stylé ça. Très très stylé, on va directement l'équiper. On va aussi l'améliorer un petit peu parce que bon, pouvoir 1 c'est pas très rigolo, hop, on le met, voilà. Pouvoir 8 c'est déjà pas mal, est-ce qu'on peut lui acheter? Voilà, un petit gadget. Est-ce qu'il y a un truc sympa, la prochaine attaque? Allez hop, vous savez quoi, je sais même pas ce que c'est, mais on l'achète. On équipe ça. Et qu'est-ce que je voulais aller vérifier? Groom, groom, groom. Les gars, je voulais vérifier un truc avec ce brûleur, je sais plus ce que c'est. Bon, tant pis. On va partir en... Je sais pas du tout si c'est un brawler longue distance ou pas. On va partir en hors-jeu. Mais à mon avis, là, nos ennemis vont pas être très forts. Les gars, je voulais faire un truc et je sais plus ce que c'est. Ah oui, je voulais aller voir combien ça vaut 200 gemmes. 200 gemmes, ça vaut combien? C'est pas 20 euros 200 gemmes. Quand même pas, hein. Je pense que c'est un peu moins. C'est en lanceur. Bah parfait, alors je suis parti en hors-jeu. Oh, mais attendez, j'ai jamais joué à ce brawler, hein. La première fois. Ah, c'est lui. Ah ouais, lui, il m'a déjà tué quelques fois. Bon, du coup, je sais pas encore très bien le jouer, mais on va clairement le découvrir, hein. Ok, je vais me faire fumer par le Poco, je crois. Ok, bon, assez sympathique comme brawler. Après, je vous avoue, je maîtrise pas encore tout à fait de bien lancer mes trucs, parce que du coup, il y a à chaque fois les flèches qui partent comme ça dans tous les sens. C'est 17 euros. 200 gemmes, c'est environ 13 euros, 20 euros. Les gars, c'est combien? Faut se mettre d'accord sur les prix, hein. Ok, en gros, c'est une 15aine d'euros. Ok, c'est quoi l'ulti? L'ulti, je sais pas ce que c'est. Ouh, ok, c'est son attaque, mais en version extrême. Bon, là, par contre, on l'a vu, nos adversaires sont plus ou moins éclatés. Je vous avoue, le brawler, je sais pas. Je suis pas convaincu, en vrai. Il est pas nul. En vrai, il tire quand même super loin. Il est pas nul, mais...
Je sais pas, j'ai pas l'impression de faire un carnage entre le skin. Le skin est très stylé, hein. Je lui donne un bon 9 sur 10. Allez, on va inviter des abonnés, mettez votre meilleur brawler et on va faire du hors-jeu. Code d'équipe XR58WYVZ. Pour ceux qui veulent rejoindre le club, bon, il est plein, mais c'est Kefko Pro. Peut-être je vais en créer une fois à nouveau. Je vais voir un petit peu le rang des gens, là. Oh là là, ça tryhard quand même, hein. Puis à moi tout en bas avec les trophées. Aïe aïe aïe, ça tryhard sévère. Ouh. Ouh, l'équipe de fou, là. Edgar, Poua, 11, Poli, 600 trophées. Ça va être chaud. Ah ouais, attendez, on va aller voir. Ok, on l'a payé 200 gemmes. Si je vais dans la boutique, 200 gemmes. Ouais, c'est quand même plus de 10 euros. Hein. C'est, ouais, 13 euros. 13 euros. Tu pourrais m'aider à monter en trophée. Bah, comme vous pouvez le voir, je suis pas un pro player non plus. J'ai même pas les 10 000 trophées. Après, il y en a plein, ils me disent que je joue pas trop, etc. Faut savoir que moi, j'aime pas forcément monter tous mes brawlers à 500 trophées. Je préfère prendre le brawler que j'aime bien et essayer de le monter à 1000 trophées. Du coup, souvent, je joue des brawlers qui sont déjà à 800 trophées. Et en fait, je gagne, je perds, je gagne, je perds. En fait, je joue quand même pas mal au jeu Brawl Stars, mais c'est clair qu'au niveau trophée, je monte pas énormément parce que j'ai plein de brawlers à 0 trophée. Puis je m'en fiche un peu, quoi. Si je les aime pas, bah, je les joue pas forcément. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous essayez vraiment d'avoir un maximum de trophées de manière générale. Mais bon, notre skin, ouais, il est beau, hein. Il est très beau. Bon, on a nos deux abonnés. Là, c'est déjà du sérieux. Par contre, sur cette map, il est quand même pas mal, ce brawler. Oh, le tic, il est stylé aussi. Il me semble que c'est le Cerber, hein. Bon, je l'ai déjà acheté. Ouais, je vais, mais après, tic, je trouve que c'est un brawler quand même pas mal fragile, hein. Aïe! Je suis pris un gros boulet de canon dans la tronche. Quoi? Il a tiré à travers le mur, là. La triche. Aïe, aïe, aïe. Je me fais arnaquer, là. Hop là. Remets les cheveux bien. Ça, je peux bien voir. Je fais que de perdre des trophées en ce moment. Ah, ça, je comprends. Ça doit être dur à vivre, hein. Moi, c'est en mode classé Brawl Stars. Oh là là, comme je tryhard dessus parce que j'ai trop envie de monter rang mythique. Ah, parfois, j'ai trop la rage quand je perds. Oh, on s'est fait pulvériser par entrain. J'ai 13 000 trophées. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai pas encore passé les 10 000. Oh là là, mais attendez, ils sont... Mais non! Mais ils sont trop forts en face! C'est son gadget! Ouais, mais c'est abusé le gadget, hein. C'est abusé. Ça va, pigeon? Ouais, bah ça va bien. Bah là, tu sais quoi? T'arrives au bon moment, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est parti pour repigeonner un skin. On s'est fait pulvériser la tronche. Vraiment, bon. J'ai fait 1800 dégâts. Oh la honte. Oh la honte, les abonnés, ils vont plus jouer avec moi. Bon, on achète quoi? On a le petit Bonnie. Ok, j'ai... C'est quand que j'ai acheté le licorne. On a Impératrice Bonnie qui est très très stylée, hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien ça, les gars. 150 gemmes. Ça part. Voilà, ça part. Ça part, ça part. Je vous rappelle qu'on a encore acheté un skin en or massif, hein. Je pense, aujourd'hui. Mais à mon avis, on va se le garder... Bon, un petit peu après quand même, hein. Fais monter le suspense. Par contre, il est pouvoir 1, mon petit Bonnie. Frérot, j'aimerais quand même un petit peu t'améliorer. Hop, 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 hop. Il est pouvoir vite. Est-ce qu'il a un beau gadget? Ok. Bonnie charge et repousse ses ennemis. Oh, c'est sympa ça. Hop. Ça met des dégâts. Ok. On équipe le petit skin de Bonnie. Je pars en quel mode de jeu? On pourrait tenter aussi un autre. Mais après, je vous avoue, un petit... Je vous avoue que moi, braquage et survivant solo, c'est mes préférés. Jusque-là, survivant solo, bon, la map est pas forcément très optimisée pour ce type de brawler, donc on part en hors-jeu. Mais allez. Ça part. Je pense que là, on va les éclater. C'est moi ou je viens de lancer une game à zéro trophée, c'est très possible. Nos ennemis vont être éclatés, vous savez quoi? On va juste déjà tester le brawler et après, on invite des abonnés. Parce que là, regardez, c'est honteux. Ok, par contre, je peux pas utiliser mon gadget. Je sais pas à quel moment on peut utiliser le gadget, mais en tout cas, c'était pas maintenant. Ok, et on a l'ulti aussi. Ok, bon. J'ai eu le temps de rien faire. Et ils ont déjà perdu en face. Ils sont un petit peu éclatés. Mais en fait, c'est moi, je suis ultra lent. Non, vraiment, j'avance pas. Hein. Je vous le dis, je suis une tortue. Bon, je vais clairement directement sur eux parce qu'ils sont extrêmement nuls. Ne vous inquiétez pas qu'après on va juste lancer la game avec des abonnés. J'ai l'impression que dès qu'on a l'ulti et qu'on se transforme, on devient vraiment super fort. Sinon le skin est très stylé. Bon allez, on invite des abonnés, mettez beaucoup de trophées parce que là c'était vraiment trop simple.
code XR6UVS9Q. Kifko, le jackpot, regarde dans le shop. Le jackpot? Comment ça, le jackpot? Off niveau supérieur. Oh, il y a de l'or ici. On m'envoie dans la boutique, j'achète des trucs. Comment ça, le jackpot? Quoi, le jackpot, les gars? Il me parle de quoi, là, dans la boutique? Il n'y a pas une offre jackpot. Il y a des petites pièces, par contre, à acheter. Peut-être on va se faire plaisir. Ok, vous êtes prêts, les gars? 600 trophées, c'est pas dégueu. Allez, let's go. C'est Dynamite, ça? À droite, là? Ils ont mis les mêmes. On peut pas mettre les mêmes rollers. Mais regarde le truc gratuit. Ah, attendez. Moi, j'ai cru qu'il fallait... Cadeau du jour. Ah ouais, jackpot. Ok, c'était ça, le jackpot. Ouais, désolé, moi, je vais dans la boutique. J'ai que... j'ai que regarder les trucs payants. Non, c'est abusé. C'est abusé. Je suis nouveau. Bah, bienvenue à toi. Je me présente El Pigeon. Je claque toute ma thune dans tous les jeux. Principalement sur Brawl Stars aujourd'hui. Hein. Allez, on est parti. On a quand même 8000 points de vie. C'est plutôt énorme. Mais moi, je me trouve extrêmement lent avec ce brawler. Hein. Vraiment, si t'as un Edgar qui te saute dessus, c'est bon. Tu peux déjà arrêter de jouer. Tu vas jamais réussir à t'enfuir. Hein. Et ben, dès qu'on a l'ulti, là, ça devient fort. J'aimerais bien mettre des dégâts. Il me faut absolument l'ulti. Ok, bah en plus, il y a un Edgar là-bas en face. On va régénérer un petit peu nos points de vie. Ah, non, 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 non. Mais non, mais il aurait pu le tuer à côté. Il m'a laissé chacun dans sa... dans chacun ses problèmes. Je me suis pris l'ulti, le tic. Donc j'avais plus de points de vie. Bon. Tu connais Narrowan? C'est quoi ça, c'est un jeu? Me semble, j'ai déjà vu passer ce message. Mets un gadget et ça te fait aller plus vite. Ah, mais le truc, c'est que j'ai pris l'autre gadget. Pas ça, on est plus de 1000 sur le live là en direct. C'est juste une masterclass. N'hésitez pas à poser votre gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et la cloche des notifications si vous ne voulez pas rater les prochains lives. Par contre, je ne sers à rien dans cette game. Est-ce que j'ai déjà mis un dégât? Ok, j'en ai mis un. Un petit deuxième. Allez. Ok, ah, il y a Edgar. Edgar, il était prêt à sauter. Ok, là, on lui a renvoyé une balle. Faut que j'ai mon ulti. Dès que j'ai mon ulti, je peux essayer, je peux tenter de faire quelque chose. Ok, mais pas mal cher quand même le petit H là. Ok, j'ai l'ulti. J'ai l'ulti, on va lui sauter dessus. On va clairement lui sauter dessus. Je sais qu'il est là-dedans. Hurla. Wouah. J'ai cru que j'étais un brawler corps à corps après. Bon, apparemment pas. Oh oh. Ouh. Ah, l'ulti de tic fait quand même très très mal. Hein. Bon. C'est la défaite, hein. En même temps, là, je prends des brawlers que j'aime pas forcément. Je pense qu'on va partir un petit peu sur du plus sérieux. Les gars, déjà, le skin en or massif, va falloir voir sur quel brawler on le prend. Hein. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore. On a encore énormément de gemmes à claquer aujourd'hui. 2200. Quel brawler on achète quelque chose? Quel brawler on achète quelque chose, les gars? J'ai par exemple la petite Eve. Mais bon, il n'y a pas vraiment de très beau skin, même si celui-là coûte quand même 150. Dites-moi, oh Fang, est-ce qu'il y a des beaux skins sur Fang? Je joue pas beaucoup, mais je sais que Fang est quand même très très fort comme brawler. En soi, moi les brawlers que je joue le plus, c'est Angelo. Mais Angelo, malheureusement, les gars, déjà il est pas beau. Il est pas beau et puis il y a que deux skins, je les ai déjà. Mortis, ouais, mais Mortis, je sais qu'il y a de très très beaux skins Mortis. Mais est-ce qu'il y a encore des skins Mortis que je n'ai pas acheté plutôt? On a déjà le mecha, on a déjà le truand. On en a déjà un petit paquet. Ok. Doug. Miko. Miko, ça peut être intéressant. Je sais que j'ai déjà quelque chose dessus. Le petit Miko. On a le Miko grincheux. Mais bon, le Wukong est quand même plutôt stylé. Je vois, ça balance pas mal de boules. On va aller voir ça. Je suis au magasin là. Le boule, on a le boule de l'espace. Oh, c'est vrai qu'il y en a pas mal là. Il y a le boule viking. Pourquoi pas? Le... Et lui, il est marrant en vrai. Il est vachement rigolo. Ou alors le magnate, lui, il est plutôt badass, stylé. Les gars, le magnate ou le mangue? Ou alors le lion? Et bon, le reste, on a déjà. Boule magnate. Le magnate, vous trouvez plus stylé ça ou le mangue? Après, le mangue est plus rare étant donné que tu peux pas l'acheter avec des blings. Magnate. Ok, je vois que le mangue, je crois que personne... Ah non, il y a quand même des gens qui veulent le mangue. Les gars, je fais quoi? Ok, là, ça spam mangue, magnate. Les gars, je fais quoi? En vrai, soit on prend un skin drôle, soit on prend un skin badass.
Étant donné que celui-là est plus rare. Allez, vous savez quoi, on part avec celui-là. Je vois que ça spam quand même le mangue. Allez, c'est parti. Mais les gars, les gens, ils vont même plus comprendre que c'est le Brawler Bull. Ça n'a aucune ressemblance. Ils vont croire qu'il y a un nouvel adversaire. Entre là, on peut partir en survivant. Et pour le beau jeu, on va partir en survivant. Non, allez, on part en survivant solo. On est obligé, vu qu'on n'est pas trop fait, obligé de faire top 1. Sinon, on compte ça comme une défaite. Non, mais là, ce skin, il y a des skins vraiment, il n'y a plus aucune ressemblance. Regardez ça, oh. Ça n'a plus rien à voir. Invite des abonnés, ouais. Si là, j'arrive à faire top 1, on invitera des abonnés pour rendre plus difficile. Le skin, en vrai, c'est une masterclass, hein. Je vois qu'il y en a pas mal. Ils voulaient que je prenne aussi le skin Lion. Mais là, j'avoue que le manque, je suis quand même pas mal content de mon achat parce que vraiment, c'est. Non, j'ai tiré à côté, j'ai pas pu récupérer la boîte. Ok, je la prends quand même. Ok, viens là, toi. Viens là, toi. 3400 dégâts. Oh là là, c'est trop fort. Trop, trop fort ce brûleur. Surtout sur cette map. Regardez, on se promène tranquillement dans les buissons. Viens là, toi. Viens là. Oh, je vais ramasser tout ce qu'il y a. Allez, viens. Bim, bim. Moi, j'ai tout explosé. Je sais pas s'il y a encore des survivants. J'ai pas l'impression. Ah, il y en a ici. Je vais mourir. Didi, si je faisais pas top 1, c'était une défaite, hein. Oh là là, ce que j'ai eu chaud. Il arrivait un petit peu à mieux viser le frérot là-bas. J'avais perdu, hein. Ok, ça se balance des ultis dessus. Nous, on arrive en mode ramasse-miettes. Et c'est le top 1. Allez, j'ai envie de te désabonner. T'es le meilleur, t'es mon youtubeur préféré. Merci beaucoup, mec. Ça fait trop, trop plaisir. Oh là là, le skin est marrant, hein. Demain, je reviens avec 20 euros si tu live. Gros BG, pigeon et team. Mais Varox, garde seulement tes sous, t'inquiète. Mais c'est très gentil. Mais je sais pas si je live demain. Je sais pas, je vais essayer, mais c'est toujours une question de timing. Je vous laisse rejoindre XR6HCRQQ. Allez, on a. Ah bah non, ah frérot, on dirait pas, mais t'es le même brawler que moi. Eh les gars, faut pas dire des brawlers là, j'ai pas perdu, hein, je dois pas acheter de skin. J'ai fait top 1, hein. Je vous laisse. Ah oui, c'est survivant duo. Attendez, on lui dit de mettre quel brawler? On va lui dire, hop, regardez, on va mettre par niveau de trophée max. Allez, hop, mets celui-là. mets les jumeaux, si tu veux. Suggérer un brawler, hop. Ah bah non, celui-là, ça va très bien aussi, en vrai. Enfin, celui-là, ça va très bien, il a 750 trophées. Il a quand même mis les jumeaux, il a mis son brawler avec le plus de trophées. J'espère qu'il va pas être dégoûté si perd. Ouais, voilà, celui-là, tu peux le mettre, c'est très bien. C'est très, très bien. Let's go, 750 trophées. Et on est obligé de faire top 1, sinon c'est une défaite. Eh oui, je vous le dis aujourd'hui, moi, j'ai envie du challenge, voilà. Oh, mais regardez, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a un des, ils spawnent sur le côté de la map. Nous, on est quoi? Au milieu. Il y a tout le monde qui va nous foncer dessus, là, hein. Good luck, le pigeon. Merci, merci. Mais le skin, par contre, moi, ouais, moi, je lui donne 9 sur 10, hein. Il est trop marrant. Il est pas badass, hein. On est d'accord que, bon, je fais pas peur à grand monde. Ouf. J'ai pris cher. Enfin, ça va, je peux respawn normalement s'il meurt pas notre petit ami. Mais, ouais, il est pas badass, mais il est drôle. Et moi, j'aime bien avoir des skins rigolos. J'ai 30 000 trophées. Ah ouais, mais il y en a des. Vous êtes trop chaud, les gars. C'est bon, je suis là de nouveau. Je sais même pas ce que c'est, le skin. C'est quoi, c'est un cheval? Ou un zèbre? On n'a aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il a 10 power cubes. On a perdu, mais jamais on peut faire top 1, mec. Tu t'es fait arracher. Ouais, merci de l'info. Ok, peut-être on arrive à le fumer. Non, j'avais pas lancé du tir, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Parce que là, ils ont 11 power cubes. Si on veut faire top 1, on était obligé d'essayer de les éliminer, hein. Ça sert à rien d'essayer le top 2. Là, de toute façon, c'est foutu. Voilà. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir, le comeback de ce concept. Chaque défaite, j'achète un skin. Je sais que ça vous plaît pas mal. Et moi aussi, ça me fait kiffer, hein, acheter des skins. Vous savez que je suis le premier qui est super content. Ok, bon. C'est Squeak, le brawler avec nous. Vous savez que ce brawler m'a l'air plutôt cool, hein. Et je crois que je l'ai pas. Bon, dommage, on a perdu. Allez, on achète un autre skin. On achète un autre skin. On achète sur quel brawler? Merci beaucoup à l'abonné. Quel brawler? Moi, j'ai pas Squeak, hein. Ça me dit rien, ce brawler. J'aimerais bien le jouer. On a Willow. Ok, j'ai déjà acheté un skin alors que le frérot, il a 0 trophée. Ça veut dire que j'ai acheté un skin, j'ai jamais joué avec. C'est grave, quand même. C'est très grave. Max. Ok, il y a beaucoup de gens qui disent Max. On a déjà le petit Max Hermès. Il y a le Max de la street. On dirait comme le jeu là où fallait courir et tu te faisais pourchasser. Max Léopard.
trouve que Max, y a le Max Conny, sympa, mais sinon je trouve pas qu'il y a des skins de fou. Doug, ok, il y a tout le monde qui spam Doug. Doug, c'est qu'il doit avoir un skin de fou. Hein. Tout le monde spam ce brawler. À mon avis, je dois déjà avoir un skin dessus. On va aller voir ce qu'il y a. Ah ouais. Et pourtant, Doug, il y a rien, les gars. Il y a rien du tout. Spike. C'est vrai qu'en vrai, Spike, je sais qu'il manque des brawlers. Hein. On a le Spike Sakura. Ou alors le Spike Robot. Mais en vrai, je l'aime pas, le cartoon, il est pas beau. Mais après, il est rare. Les gars, est-ce que je craque pour le Spike cartoon ou pas? En tout cas, je l'aime pas comme ça. Après, à voir ce qu'il donne en jeu, mais... Spike cartoon, bon, allez. Allez, les gars, faut faire les pigeons. Bah, on fait les pigeons, on achète le Spike cartoon. 300 gemmes. Oh, là, ça fait mal. Là, ça pique. Parce que, regardez... On va pas mettre skin aléatoire. Hop, Spike Cartoon. Là, 300 gemmes. C'est quasiment 20 balles. Pour ça. Non, je suis pas fan du... Pas fan du skin, mais à voir ce qu'il donne en game, peut-être il est plus stylé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans le chat et dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez beau le Spike Cartoon? Ou je suis le seul aigri? Bon... On va voir ce qu'il donne, bon il est marrant. Je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de skin cartoon. C'est peut-être même le seul sur Brawl Stars. Mais bon. Oh, par contre l'attaque est sympa. Ok, ils ont fait aussi les animations d'attaque et tout, ça c'est cool. Ok, Mortis, fume-le. Ok, je le prends ici. T'inquiète, je viens t'aider. Oui, magnifique, on l'a tué. Par contre on a notre Edgar qui est mort. Ça c'est pas très bon signe. Ok, oui, allez Mortis, fume-le. Oui, oh là là, il est chaud. Il est très chaud. Allez, plus qu'à tuer la poly. Hop. Ok, j'ai cru que j'allais taper une esquive de fou. Pas du tout. Est-ce que j'utilise mon ulti ou je le garde pour la prochaine manche? En soi, on est en 2 contre 1. Je pense pas qu'on en aura besoin pour tuer la petite poly. À mon avis, elle est dans la mouise. Hein. Je pense. Oh, quoique. J'ai passé de l'autre côté. Bien. Elle joue bien. Mais voilà. Le Spike Cartoon qui l'a éclaté. Qui l'a éclaté. Magnifique. 300 gemmes quand même. C'est assez cher. Est-ce que ça en vaut la peine? Je sais pas. On envoie notre ulti directement ici. Le Surge. Oh non, il a tout esquivé. Ok, c'est pas grave. On fume le Edgar. Oh, c'est bon, on a gagné. Peut-être je vais mourir. Ok, on a l'hypercharge. Non, j'avais l'hypercharge et l'ulti. J'allais les éclater. Perso, je l'aime bien. Non, c'est vrai que j'ai peut-être jugé un petit peu vite. C'est pas mon skin favori. Mais j'avoue que les attaques sont sympas. Mais bon, j'ai parlé un petit peu vite. C'est... Ah voilà, le skin favori, moi j'adore les skins mecha. Honnêtement, si vous me dites vraiment que Léon mecha il sort, c'est une masterclass. Hein. Bien sûr, je vais l'acheter. Mais ça, je pense même si je le disais pas, vous le saviez tous. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas combien de gemmes on a dépensé depuis le début de ce live. Mais à mon avis, on a dépassé les 1000. Hein. Avec le Spike à 300 gemmes, ça a picoté. Mais on a toujours nos pièces d'or pour les petits skins en or massif. Hein. Par contre, on se débrouille bien là. En train d'enchaîner les top 1. Il y a quand même un Edgar qui se cache, à mon avis, il s'est caché juste là. Ok, non, ils sont tous à droite. Ok, ils sont juste là. Le Edgar un petit peu bourrin. Oh, bon, il a fumé quand même. Magnifique. Allez, on envoie nos petits spikes. Magnifique, c'est la victoire. Oh là là. Léon, il est dans le Brawl Talk. Ouais, j'essaie, mais en fait, les gars, je regarde pas les Brawl Talk pour pas me spoil de ce qui va sortir. Comme ça, quand il y aura des nouveaux skins et tout, je vous ferai des vidéos où je les découvre et je les achète. Comme ça, je suis pas spoilé. Mais bon, du coup, j'ai vu un ou deux messages où il y a des gens qui disaient il y avait Léon Mecha qui sort. Ok, il est où le Léon, là? Surtout pas qu'il me saute dessus. On va balancer l'ulti là-bas, je pense qu'il est caché. Oh! C'est qui est caché dans le buisson, là? La petite Shelly, non mais... On a vu qu'il y avait le Edgar là-bas. Ok, il a réussi à s'enfuir. On va essayer d'aider un petit peu là en bas, mais à mon avis, c'est mort, ouais. Allez, faut fumer la Shelly là. Edgar, on la prend en sandwich. Et s'il lui saute dessus, c'est bon. Oh là là, non. Oh oh, oh oh, ça sent mauvais. Ah, j'ai tout raté. Enfin, ça va, il s'est pris mes petits picos, mais c'est pas pris directement le gros cactus dans la tronche. Et je balance tout. Pas mal. Pas mal du tout. Hop, on envoie l'ulti. Oui. Je balance tout. Oui. La victoire. Oh, c'est beau. Skin en or. Je pense qu'il y a moyen que... Ça va être un skin honor le prochain. Bon, moi je vous le dis, un petit peu simple là cette histoire. Hein.
Non, bah en vrai, on va continuer. On est à 700 trophées avec Spike. Tant que je gagne. Vas-y, si on gagne ça, on partira en survivant solo. Vous voulez que j'achète les skins en or massif après? Ah, je sais pas. Ouais, c'est possible, hein. On va peut-être craquer parce qu'en tout cas, j'ai assez de pièces d'or. J'ai acheté exprès plein d'offres de pièces d'or pour pouvoir nous acheter un deuxième skin en or massif. Parce que bon, c'est clairement les skins les plus rares de Brawl Stars. Tiens, on envoie 2-3 picos par-ci par-là. Oh, bien joué la Poli. Poli qui a envoyé une belle flèche dans sa tronche. Ok, nous on met des dégâts à la Poli ici. Ah, oh là là, je n'ai pas vu arriver la fumée là. Je me suis tout pris en pleine tronche. Et là on esquive. On esquive. Eh, je mets de ces esquives. Ah, bon, ça n'a pas duré une éternité non plus. Ah ouais, la Poli là, elle m'a rapidement calmé dans ma lancée. Edgar en 3 contre 1. Ouais, je sais pas trop ce qu'il a fait, les gars. Il a sauté un petit peu n'importe où. Mais bon, de toute façon, 3 contre 1, il pouvait rien faire. Hein. Tout le monde veut les skins en or. On est d'accord que les skins en or, c'est quand même pas mal. Oh, vas-y, saute-le dessus. Oh, le 3 contre 1. Alors là, j'y aurais jamais pensé, hein. Mais wesh! Incroyable! On balance l'ulti directement. Ok, il y avait personne. C'est vrai que l'ulti même est très stylé, l'animation. Alors là, j'aurais jamais parié sur le Edgar. Il avait pas fait n'importe quoi, mais il avait sauté un petit peu bizarrement au début. J'aurais jamais misé sur une victoire de sa part. Hein. Ok, on a fait un kill. On balance l'ulti. Un petit peu raté, dommage. Ok, magnifique! On a l'hypercharge. Il y a Poli. Ah, je savais pas qu'elle était juste là. Mais non. Oh non. Joue avec les abos, ouais. On va rejouer après. En général, j'invite les abonnés pour monter le niveau si j'ai des brawlers trop bas trophées. Vous voyez, si j'invite des abonnés super forts et que du coup je gagne tout le long et j'achète pas de skins parce que je fais pas de défaite, c'est un peu de la triche. Bon, envie de tricher quand même. Oh. Je vous avoue que là, notre Poli, ça va être serré parce qu'elle a pas son ulti. L'autre il est dans le buisson en plus. Il est plus au milieu de la carte. Franchement, aucun signe que notre Poli va gagner. Mais on sait jamais, hein. Avant j'ai parlé trop vite avec le Edgar. Je pense que peut-être j'ai reparlé trop vite. Ok, l'ulti pas bien joué. Non. Mais non, elle a raté la munition quand il a atterri. Essaye le mode cambriolage. Faut faire quoi dans le mode cambriolage? J'avoue que j'ai pas testé. On va balancer hypercharge. J'ai tout balancé. Ça n'a pas servi à grand chose. On balance l'ulti. La Poli, là, elle est dans la mouise. J'avais oublié la fumée. Je pense que la Poli, elle va arriver ici, je suis sûr. Ok, bon. je l'ai tenté. On est en 2 contre 3. Ça s'annonce pas forcément très bien pour nous. Non, mais elle est trop forte, la Poli. Et déjà, est-ce qu'on achète le skin en or après? Ok, en vrai, je pense que c'est la défaite. Et qu'on va partir sur le skin en or massif. Mais maintenant, faut me dire dans le chat sur quel brawler. Sur quel brawler on achète un nouveau skin en or massif. Est-ce que j'ai assez de pièces d'or? J'en ai 40 000. On va quand même en acheter encore un petit peu plus de pièces en or. Comme ça, on est sûr que j'ai acheté, que j'ai assez. Balancez maintenant dans le chat quel brawler je dois acheter là un skin en or massif. Hop, on se prend quelques pièces d'or supplémentaires. Ça fait toujours plaisir. La petite offre ici, voilà. Hop, on achète ça aussi. Ok, je vois que ça spam là des brawlers. Je me suis fait plaisir. Là, sur quel brawler on a un nouveau skin en or massif? On a déjà le Léon que j'ai acheté. Je vois du Spike, je vois du Korbac. Du Korbac, je me dis qu'on a le skin Mecha, donc non. Poco, mais non, je veux pas l'acheter sur Poco. Je suis pas fan de Poco, moi. Buzz, Colt, Edgar. C'est vrai. Ah ouais, mais Edgar, on a déjà le Mecha. Edgar, on a déjà le Mecha, ça sert à rien. Dynamike. C'est vrai qu'il dit Noah. Est-ce que sur les jumeaux? Non, sur les jumeaux, il n'y a pas. Edgar, on a déjà un skin très très beau. C'est vrai que le petit Spike. Bon, le Spike, j'ai le cartoon maintenant. Surge. Surge, on a un beau skin aussi. On va voir surtout un brawler que je joue pas mal et qu'on n'a pas de beau skin. Le petit kit. Ah bah, il n'y a pas en or. La Shelly, non. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Frank. Frank, on a déjà des beaux skins. C'est vrai que le Dynamike. Un Dynamike en or massif. C'est quand même beau, hein. Dynamike ou un Edgar. Bel costaud, Corba. Ouh, la Poli. Poli en or massif. Oh, c'est pas mal ça en vrai, non?
Poli en or massif, oh les gars, je crois on va craquer sur ça. Hein. Poli, c'est quand même un brawler que j'aime beaucoup. Poli or massif. Allez, je pense qu'on va partir sur ça. Hein. Il y a pas mal de gens, ils disent non. Non, 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 Poco. Comment ça, les gars? C'est stylé, Poli. En plus, c'est un brawler que j'aime bien. On a Fang aussi, qu'on pourrait prendre en or massif. Poli. Attendez, je vais faire un sondage. Poli, or massif. Hop. Poli en massif, sinon on a quoi? Mais faut que ça soit quand même un brawler que je joue un petit peu. Il y en a beaucoup qui disent Poco en or massif, mais... Les gars, Poco, c'est... je joue pas ce brawler. Je joue jamais avec. Ok, j'ai mis un petit sondage Poli en or massif dans le chat. Ok, il y a déjà 160 votes. Pour l'instant, c'est 50-50. En vrai, les gars, je crois qu'on va partir sur Poli. J'hésite entre Poli en or massif et Dynamike. Mais je me dis que Dynamike a déjà des skins vraiment stylés comme le robot Mike. Alors que là, Poli, on a le skin carnaval, d'accord, mais c'est pas incroyable. Allez, en vrai, je vois qu'il y a la moitié d'entre vous, vous êtes chaud pour Poli en or massif. Ça part. Ça part, les gars! Nouveau skin en or massif. On doit d'abord acheter sur un argent massif pour 10 000 pièces. Et ensuite, 25 000 pièces. Poli en or massif! Oui, monsieur! Le pigeon a encore frappé! Oh là là, bien sûr qu'on va l'essayer. Oh là 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 là! Attendez, du coup, je sais pas s'il a... Oui, la Poli, je l'ai mis niveau max, il me semble que j'ai tout acheté sur Poli. Oh là là, Poli en or massif. On a craqué pour un nouveau skin. Regardez-moi ça. Oh, c'est stylé. Oh là là, les skins en or massif, ça montre quand même que t'es un pigeon de l'extrême. Genre vraiment, les gens ils voient ça, ils se disent non, il a pas fait ça. Il a pas fait ça, le frérot. Il a pas acheté un skin en or massif. Oh là là, je suis content de mon achat. Je vous le dis, Poli, c'est... En fait, fallait que je prenne surtout un brawler que je joue aussi. Poli qui en plus pas de très très beau skin. Je vous avoue, je suis content là. Oh, voilà, en plus, on fume tout le monde. J'aurais aimé Korbach. Je comprends Korbach, mais le truc, c'est que Korbach, il a déjà plein de skins stylés. Alors que la Poli... Bon, bah, on a la petite Poli Choco, Poli Lunaire, ce que tu veux. C'est pas plus stylé que ça. Hein. Ok. Oh là là, mais en plus, Poli, elle est trop forte. Regardez-moi ça, je suis un sniper. On a fumé tout le monde. Oh, la masterclass. 5 kills, 30 000 dégâts avec notre Poli en or. Non, franchement, là, on a clairement fait les extrêmes pigeons. Si t'as kiffé, tu mets ton gros pouce bleu, tu t'abonnes à cette chaîne, n'oublie pas la cloche des notifications. Et là, on a clairement claqué 1500 gemmes, quasiment 100 euros de gemmes, plus de l'or. Donc, franchement, ça m'a fait kiffer, c'était trop cool. Régale-toi avec mes autres vidéos sur Brawlstar et mes rediffusions en direct. Et les gars, vous étiez vraiment trop, trop bien. Je vous souhaite une très belle journée. Et allez, ciao, ciao les BG.